Hello mes bien-skin lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien quand je sais que vous serez très nombreux à regarder votre émission Bioskin sur M241. Aujourd'hui, nous allons faire le bonheur de toute la famille, y compris les enfants bien sûr, et nous allons fabriquer une crème corporelle. Une crème corporelle à base de beurre de karité. Voilà, du beurre de karité. Le beurre de karité qui est un très bon produit, voilà, qui va venir protéger votre peau des rayons de soleil. Voilà, ça va protéger votre peau des rayons de soleil. Ça va venir rendre votre peau lisse, voilà, souple, voilà, douce. Voilà. Et après, on aura besoin d'huile de palme, voilà. L'huile de palme, l'huile rouge, voilà, on l'appelle aussi de l'huile rouge. L'huile de pain viendra donner de l'éclat à votre teint, voilà. Il va venir embellir votre teint, voilà. Et enfin, on aura besoin d'huile d'olive, voilà. L'huile d'olive est vraiment énormément utilisée dans les produits fabriqués maison, voilà. Et c'est une très bonne huile, voilà. C'est une très bonne huile qui va venir donner de la pêche à votre peau, qui va venir donner aussi de la souplesse, de la douceur, etc. Nous allons passer à la préparation. J'avais déjà commencé à préparer mon beurre de karité. Je l'avais déjà mis dans mon assiette, voilà, dans cette assiette, dans ce bol, pour voilà, commencer à l'écraser. Comme vous le savez, le beurre de karité, il vient en boule, hein, il vient en boule. Donc, pour mieux faire pénétrer les autres ingrédients, il faut d'abord l'écraser en fait, voilà, on va dire l'écraser avec votre louche, comme je suis en train de faire, pour lui donner la texture de crème. Voilà. Une fois vous l'avez fait, vous allez venir ajouter 2 cuillères à café d'huile de palme. D'accord, Miladies? 2 cuillères à café d'huile de palme. Deux cuillères. Voilà. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour l'huile d'olive. Vous allez ajouter 2 cuillères à café d'huile d'olive. C'est souvent bien de mélanger plusieurs huiles, hein. Donc, pour cela, nous allons vraiment bien venir mélanger notre produit. Et comme je disais, c'est vraiment une crème très nourrissante, voilà, qui va venir donner un beau teint, qui va venir donner de l'éclat à votre teint, ça va venir faire beaucoup de choses en fait, ça va venir donner de la souplesse, ça va venir rendre votre peau lisse, voilà. C'est vraiment bien pour toute la famille, vous pouvez l'utiliser comme je l'ai dit sur les enfants, il n'y a pas de risque. C'est vraiment naturel. Ça va venir embellir le teint des enfants. Vous allez voir et vous allez m'en donner des nouvelles parce que je sais que vous allez beaucoup aimer. Voilà mes Bioskin Lovers, notre produit est prêt. C'est juste ça, voilà. Pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de choses à faire. C'est juste mélanger ces différents éléments, voilà. Après avoir bien mélangé, vous allez venir conserver ça dans un pot, dans un récipient, dans un flacon de crème que vous avez au préalable recyclé. Voilà. Donc, c'est juste ça. Bon, moi, je vais venir mettre ça là-dedans. Ok, mes ladies, voici ce que ça donne. C'est vraiment une crème très, 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 très bio et très naturelle. Il n'y a pas d'effet secondaire, rien. Pas d'effet secondaire. Alors, mes chéris, avant de conclure, je tiens à vous présenter aussi, comme je vous le dis à chaque émission, mes produits. Voilà, comme je vous l'ai dit déjà, je fabrique des produits. Voilà, des produits bio. Des produits bio, des savons,
Si vous avez un savon, ici vous avez des crèmes jour, des crèmes nuit, vous avez des produits pour les cheveux, des produits pour les ongles, en fait tout ce dont vous aurez besoin, mais en bio. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur le numéro qui apparaît au petit écran. Merci Mélédise d'être toujours là pour me regarder et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!